Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la vidéo des ouvertures de calendrier du 21 décembre 2020. Donc voilà. Donc on approche de la fin. Donc on va commencer par le bijou. Donc voilà, le 21. Hein. Et après il ne nous restera plus que 3 cases. Déjà, ça passe. Alors, donc voilà déjà. Maintenant, je vais essayer d'arracher le reste. Qui est assez compliqué. Alors, est-ce que ça va être encore un bracelet ou des fois un collier? J'aurais bien aimé avoir un collier, mais je pense que ça va être... Ah, quoique, ça paraît long. Ça va peut-être être un collier, du coup. Ah, oh, oui, vu la grandeur, c'est un collier. Ah, trop bien. En fait, on avait boucle d'oreille, bracelet et collier. Donc, voilà mon petit pendentif, là, avec... un petit diamant, une imitation diamant. Donc j'essaie de me le mettre si je peux. Ah oui, par contre c'est des rats du coup. Ouais, bon, ça va. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, bon, franchement top. Je prends trois sortes de bijoux, donc c'est vraiment top. Donc je pense que là, bah, on aura moins de colliers, hein. Par contre que de boucles d'oreilles. Parce que les boucles d'oreilles, on en a eu pas mal de paires. Je crois qu'en boucles d'oreilles, en bracelet, on en a eu 4. Les colliers, ça va être sûrement pareil. Et les boucles d'oreilles, c'est ce qu'on a eu le plus. Donc 16 paires de boucles d'oreilles, 4 bracelets et 4 colliers. Donc bah, je trouve quand même que c'est vraiment top pour ce petit calendrier. Donc on continue avec le calendrier beauté. Ça commence à être bien malade. Bon, je regrette, j'ai vu d'autres ouvertures de calendrier avec le calendrier beauté d'Action en fait, spa, le calendrier spa, et franchement les produits avaient l'air beaucoup mieux que celui-là, parce que même la mousse qu'on se met entre les doigts de pied, il y en avait deux par rapport à celui-ci qu'on en avait un, et il y en a qui l'ont trouvé à 7,95€, donc moins cher que celui-ci de moitié, moitié moins cher. Donc si j'avais su, je n'aurais pas pris à Jiffy, mais bon, ça a permis d'essayer et puis de voir hein, ce que c'était exactement, hein, puisque Jiffy, j'en avais jamais acheté. Par contre, franchement, le calendrier bijoux est vraiment top. Donc l'année prochaine, j'aimerais bien trouver un pour le maquillage. Je sais que ma fille, c'est ce qui lui plairait le plus. Essayez de varier. Donc le 21, ça va être une lune. Voilà, petite lune à lune. Et je trouve que, ouais, je cherche pour les articles que c'est, je trouve. On a quand même, c'est assez varié, mais bon. Ah, vous voyez, la lune à ongles, c'est tout abîmé en fait. Dans leur support, vous voyez, on voit les endroits qui sont abîmés. Après, dites-moi si vous avez eu le calendrier de chez Action, est-ce que vous en avez pensé? Mais je pense qu'il doit être mieux que celui-ci. Voilà. À voir. On verra le prochain. Ah, il fait pourtant pas clair, il pleut énormément chez nous. Mais ça fait des nuances de clair. Donc pour finir hein, le Disney, je finis toujours par celui-ci parce que bon, c'est mon calendrier vraiment au coup de cœur. Et puis c'est vrai que j'aime bien finir par celui-ci. Alors le 21, il est ici. C'est vrai qu'il devient de plus en plus léger. Et franchement niveau qualité, il s'ouvre vraiment super bien. Alors c'est un personnage qui est tout noir. Ah, Maléfique. C'est Maléfique, je crois. Ouais. Voilà, donc on a pas mal de montages. Franchement, d'ici la fin, j'espère avoir un petit Mickey. Mais bon, pour l'instant, je ne sais pas si on aura Mickey, en fait. Mais c'est vrai que Minnie sans Mickey, c'est... Voilà. Surtout qu'ils ont marqué Mickey Mouse et Friends. Donc, j'espère qu'on aura le petit Mickey. Pour l'instant, j'en ai pas reverni, j'attends d'avoir. Hop là, alors. Voilà, oui. Je m'étais trompée, je l'avais pas mis au bon endroit et du coup.
Voilà. Voilà notre petite maléfique. Voilà, donc avec sa petite tête verte. Voilà. Donc, en méchant, donc on a eu Cruella, Ursula, Maléfique, et puis notre ours rose, je sais plus comment il s'appelle, dans Toy Story, qui sent la fraise en fait. C'est un méchant. Je l'avais oublié l'autre jour, parce que c'est vrai que comme il est rose, on pense pas spécialement que c'est un méchant. Donc voilà, on en, ça va nous en faire 4 méchants du coup. Voilà, ça correspond vraiment à nous. Voilà. Non, elle est trop mignonne. Donc voilà. Voilà pour cette ouverture, donc on va se retrouver demain comme d'habitude pour l'ouverture suivante du calendrier. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, de bons loisirs créatifs, de coloriage, de bonnes vacances si vous êtes déjà en vacances. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !